Fruit d'une longue histoire, les vins de Bourgogne sont réputés dans le monde entier. Avec un vignoble très morcelé, en climat, selon le terme local, ils se distinguent des vins de Bordeaux, issus de savants mélanges. En Bourgogne, les petits lieux-dits règnent en maître, et deux cépages seulement sont utilisés. Le pinot noir pour les vins rouges, le chardonnay pour les vins blancs. Depuis 2015, les climats de Bourgogne sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La roche de Solutré, célèbre escarpement calcaire, est le berceau du Pouilly-Fuissé. C'est à ses pieds que se développent les vignobles de ce vin blanc très réputé. Cette appellation constitue le chef de file des vins du Mâconnais. Mâcon, préfecture de Saône-et-Loire, est située à 80 km de Lyon. Sa région viticole est la plus méridionale de Bourgogne et se situe à proximité du Beaujolais. Elle produit un tiers de vin rouge et deux tiers de vin blanc. Parmi les autres appellations, citons le Saint-Véran, le Viré-Clessé, le Pouilly-Locher et le Mâcon Village. Les vins blancs offrent une robe claire et limpide et un éventail d'arômes et de saveurs délicates et subtiles. Les vins rouges ont des arômes de petits fruits rouges, de fruits noirs et de champignons. Les rosiers ne sont pas là que pour embellir les vignobles. Ils permettent de prévenir la présence d'un champignon néfaste, l'oïdium. Les rosiers étant attaqués les premiers, ils préviennent les viticulteurs qui peuvent appliquer des traitements de prévention sur la vigne. Situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Chalon-sur-Saône, sous-préfecture de Saône-et-Loire et deuxième ville de Bourgogne, la côte chalonnaise est une zone étroite qui se présente sous la forme d'îlots de vignobles plus ou moins séparés les uns des autres sur près de 25 kilomètres. Au sud, Montagny offre un vin blanc de grande qualité. Sa couleur limpide et dorée et ses arômes d'acacia, d'aubépine, de chèvrefeuille, de violette et de fougère lui assurent une réputation bien établie. À 10 km au nord, se situe la pittoresque petite ville de Givry. Celle-ci produit aussi bien des vins rouges, puissants, riches et colorés, que des vins blancs, plus confidentiels mais charmeurs. D'après la légende, les vins de Givry étaient les préférés du roi Henri IV. Le Mercuret est le vin le plus célèbre de la côte chalonnaise. Son vin rouge est connu dans le monde entier et son appellation d'origine contrôlée est une des plus anciennes de France. Sa robe rubis et sa bouche puissante avaient conquis Gabrielle d'Estrées, la maîtresse du roi Henri IV. Une période faste pour la côte chalonnaise. Le château de Ruilly abrite un vignoble qui produit 217 hectares de vin blanc et 123 hectares de vin rouge. Ces blancs corsés, ronds et caressants en bouche s'accordent très bien avec certains poissons, des crustacés, des fromages à pâte cuite ou de la volaille. Ces rouges charnus, aux nuances fruitées et animales, s'accordent avec des volailles rôties et en sauce ou des abats. Bouzeron constitue une exception. Ces vins blancs ne sont pas issus du chardonnay, mais de l'aligoté. C'est avec l'aligoté et de la crème de cassis qu'on en fait le fameux kir, du nom nichanoine qu'il a inventé et qui fut maire de Dijon. En découvrant Beaune, nous passons dans un autre département, celui de la Côte d'Or, dont elle est la sous-préfecture. Beaune est célèbre pour ses hospices, dont les vins de prestige sont vendus sous forme d'enchères le troisième dimanche de novembre. Le résultat des ventes est consacré au fonctionnement charitable et religieux des anciens hospices et des nouvelles institutions hospitalières civiques et laïques. À Pulligny-Montrachet, on produit des vins blancs de renommée mondiale. Ces crus exceptionnels atteignent des prix considérables et sont servis dans les plus grands restaurants. Harmonieux, structurés, ils s'accordent avec le caviar, le homard ou le foie gras. Sa voisine, Chassagne-Montrachet, produit également d'excellents vins rouges, tanniques et complexes en bouche, qui accompagnent très bien le gibier.
la commune de Meursault n'est pas en reste. À l'ombre de son fameux château, elle produit des vins blancs très réputés. Riche, onctueux, grand en bouche, il s'accorde avec les crustacés et les fromages bleus. Le célèbre Pommard, uniquement vinifié en rouge, était très apprécié de Louis XV, de Ronsard et de Victor Hugo. C'est un vin de garde qui demande à bonifier au moins pendant une dizaine d'années. Enfin, à Savigny-les-Beaunes, on produit des vins rouges ronds, équilibrés, puissants et tanniques, qui accompagnent parfaitement une pièce de bœuf. Muy-Saint-Georges est une commune de 5000 habitants située entre Beaune et Dijon. Les vignobles de la Côte de Nuit sont dominés par les vins rouges qui sont considérés parmi les meilleurs pinots noirs du monde. C'est à Vosne-Romanée qu'est produit le fameux Romanée Conti, considéré comme le plus grand Bourgogne et qui fait partie des vins les plus chers au monde. C'est un vin de garde qui peut être conservé jusqu'à 40 ans. Encerclant son château, le vignoble du Clos Vougeot est certainement le plus célèbre de Bourgogne. Ce minuscule climat produit un vin rouge puissant, classé parmi les grands crus. Le château est également le lieu de réunion de la confrérie des chevaliers de Tastevin, fondée en 1934 pour la promotion des traditions de la Bourgogne et de ses vins. Deux fois par an, une séance de tastevinage est organisée autour de plusieurs centaines de dégusteurs, d'œnologues et de viticulteurs. Près de 250 lauréats y sont estampillés du sceau de Tastevin. Chambolle-Musigny propose des vins rouges puissants aux arômes intenses de cassis et de cerises, qui accompagnent parfaitement le civet de lapin ou le coco-vin. Le vignoble de Gevrey-Chaumertin est un des plus prestigieux du vignoble de Bourgogne et même du vignoble français mondial. Il produit à lui tout seul 32 des grands crus AOC de Bourgogne. Situés à proximité d'Auxerre, dans l'Yonne, ce sont les vignobles les plus septentrionaux de Bourgogne. Le plus connu est celui de Chablis. Cette petite commune de 2200 habitants produit exclusivement des vins blancs secs. Plus au sud, Irancy propose des vins rouges qui se marient parfaitement avec les pâtés et les travers de porc. Il en est de même avec Coulanges-la-Vineuse, dont les crus épousent avec bonheur le poisson grillé. Enfin, la robe dorée à reflets vert clair du Saint-Brie attire les amateurs de vins jeunes à déguster bien frais. Les climats de Bourgogne sont le berceau et l'archétype de la viticulture de terroir dans le monde. S'ils ne représentent que 0,4% de la production mondiale, les vins de Bourgogne gardent tout leur prestige et leur renommée grâce à une tradition d'excellence. Les caves coopératives, comme celle de Buxy, en Saône-et-Loire, permettent aux exploitants de mettre en commun leurs récoltes et de baisser les coûts de production. Quels que soient les défis à venir, les vignerons de Bourgogne se tiennent prêts, avec pour arme leur savoir-faire ancestral et leur passion.